Console PS4. Console PS4. Salut à tous, c'est Unwin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis encore une fois avec des abonnés, j'ai sélectionné des bas mois encore une fois. Il y en a deux que j'ai sélectionné de la vidéo d'avant où ils dévalisaient un magasin parce qu'ils m'ont fait de la peine et du coup ils n'avaient pas gagné de l'eau. Voilà. Du coup je les ai repris mais il y en a deux parties. Bon. Ok, donc aujourd'hui les bas mois vont s'affronter sur Fortnite et un kill égale un cadeau. Donc s'ils font un kill, ils ont un cadeau. Et je vais placer des cadeaux dans ces boîtes. Donc dans des boîtes, il va y avoir plein de cadeaux. On peut avoir une PS4, on peut avoir un clavier Alienware, on peut avoir pas mal de choses. Donc voilà, vous verrez dans la vidéo, je vous spoil pas. Et du coup, ils peuvent tomber sur un cadeau de merde ou sur un cadeau stylé comme la PS4. Donc on va voir ce qu'ils vont avoir, est-ce qu'ils vont avoir de la chance ou pas, ou est-ce qu'ils vont faire des kills. Bon, c'est pas trop des gros joueurs de Fortnite, mais on va voir s'ils sont bons. Donc du coup, les babons, ils vont s'affronter sur le PC M15. On va faire un unboxing avec la gérante du magasin. Donc c'est le tout nouveau PC M15 qui vient de sortir. Il est rouge, il est juste magnifique. Et je remercie du coup Alienware de sponsoriser cette vidéo. C'est grâce à eux qu'on peut faire cette vidéo et que je peux offrir des lots aux abonnés. Voilà, j'essaie de vous faire plaisir. La dernière fois c'était un magasin qu'on avait dévalisé. Là du coup ils sont dans le même magasin et ils auront plein de lots que j'ai sélectionné du coup moi dans le magasin. Il y a aussi des lots nuls. Mais en tout cas voilà, il y a aussi des lots qui m'ont été offerts du coup par Alienware. Il y a un clavier et c'est juste magnifique. En tout cas, tu peux venir, on va faire l'unboxing du PC. Les abonnés sont juste derrière, ils attendent de jouer. Donc c'est parti. Alors, bah écoute, je te laisse l'honneur. Honneur aux dames. C'est comme on dit, effectivement. Alors, un beau PC. Oh là 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 là, il est magnifique. On est d'accord qu'il est magnifique. Elle est splendide, le côté mat, en fait, vraiment... je trouve que ça va bien aux filles. S'il y a des gameuses, franchement le PC, bon après c'est pour tout le monde, mais je trouve que ça va bien aussi aux filles. Pour ceux qui se rappellent, je vous avais présenté pardon, le PC sur ma chaîne secondaire en gris. Donc ça c'est le M15 du coup qui est en rouge. Donc du coup, on a déjà le PC, ensuite ouais. On a le guide hein, pour ceux qui ne savent pas installer des PC, etc. Bon, vous avez toutes les informations. Okay. Alimentation. C'est parti, on va faire la présentation du PC, donc je rappelle qu'on est du coup sur le M15. Alors pour ceux qui se souviennent, j'avais présenté aussi le 15, donc c'est l'ancienne génération. Là c'est le tout nouveau, toute nouvelle génération. Et donc direct, je vous dis juste un truc, c'est vraiment le PC le plus fin et le plus léger jamais créé dans le monde, gamer. Donc c'est vraiment un PC gamer ultra fin et il est très léger, tu peux voir quand même. Il est vraiment très 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 léger. J'avoue qu'il est super léger. Moi, j'ai pour un PC gamer, ouais, franchement. Non, c'est franchement, les PC et les gamers, on peut rajouter ça derrière. Petite tête d'Alienware. Donc c'est parti, comme on va l'allumer. Donc je vous montre aussi les nouveautés qu'on a sur ce PC. Et ensuite, on va voir. Donc déjà, regardez cette petite tête magnifique. Un allumage ultra rapide, on tient à préciser quand même. Après bon, je rappelle qu'on est sur les tout derniers sets de génération. Donc là, le PC là, il a... Le dernier set tu peux montrer, c'est les la 8ème génération, c'est vraiment les tip-top, c'est voilà, c'est vraiment le top du top. Donc pour ceux qui veulent des PC à Noël, franchement, il n'y a pas mieux. En tout cas, on a aussi, pour ceux qui demandent les cartes graphiques, on a la 1070. Alors la 1060 et la 1070 sont vraiment deux cartes graphiques à l'heure actuelle qui sont vraiment très puissantes, c'est sur le marché, au niveau rapport qui a été pris, et dans celui-ci c'est un 1070. Voilà, du coup, elle gère le magasin, donc elle connaît vraiment si le... Si, je connais bien, ouais, effectivement. Voilà. Et franchement, 1070, personnellement, j'utilise une 1070. Et moi aussi, j'ai une 1070 et une 1080. Après, vous pouvez configurer le PC comme vous voulez. Donc, je vous rappelle que le lien est dans la description. Vous avez la 1070, vous avez 1060. Vous pouvez aller sur du i7 ou du i5. Ça dépend de votre budget. Voilà, vous avez vraiment pour le budget que vous voulez. Donc, on se retrouve du coup sur le logiciel, comme je vous ai dit. Et du coup, on peut modifier le clavier comme vous avez envie. Donc là, par exemple, j'ai mis toutes les zones. Mettre toutes les zones en jaune comme tu peux le voir. Ah ouais, t'as des effets aussi, regardez les battements, la vague multicolore, ça peut être sympa. Ah ouais, regardez la petite vague multicolore. Bon, vous configurez comme vous voulez. Oui. Donc voilà, concernant la présentation du PC, je rappelle qu'il est en description et du coup bah c'est parti. Donc c'est parti, on se retrouve sur le jeu Fortnite. Donc vous allez vous affronter et derrière, tu peux montrer, il y a des boîtes. Il y a des boîtes. Dans ces boîtes, il y a des lots. Dans ces boîtes, il y a des lots. Donc ici, on peut avoir un lot. Ici, on peut avoir un lot. Donc je disais, oui, il y a 8 boîtes et donc dans chaque boîte, il y a un lot. De lot, ça va de la PS4. Donc le premier gros lot, c'est la PS4. Ensuite, on a un clavier Alienware. Ensuite, on a un chèque cadeau dans le magasin. Donc le magasin Shop4Geek qui se situe à Saint-Nicolas-de-Port. Un chèque cadeau de 60€ qui a été offert du coup. Et ensuite il y a d'autres petits lots, des petits goodies, etc. Et il y a aussi des lots de merde.
dans un des lots de merde, il y a une pile. Donc les gars, je vous dis, il y en a un de vous qui va gagner une pile. Donc je présente du coup les papas. Alors il y en a déjà que vous connaissez. Lui, il m'a fait de la peine parce qu'il est arrivé deuxième. Pour ceux qui se souviennent, dans le magasin ou la vidéo où il dévalisait les magasins, il est arrivé deuxième. Donc du coup, je me dis, ok, on va le reprendre. Ensuite, il y a lui qui a fait 0 kill. Et ensuite, les autres, bah, c'est des nouveaux. C'est de nouveaux babouins. Donc présentez-vous. Lucas, 18 ans. Lucas, 18 ans. Brian, 21 ans. 21 ans. Lui, il est stock. Jonathan, 24 ans. Et Alex, 28. Alors déjà, est-ce que vous avez déjà joué à Fortnite, les gars? Ouais. Tous? Non. Mais oui. C'est quoi votre ratio de kill à peu près? 1. 1? 4. Lui, il avait fait 0 la dernière fois sur celui-là. 4. 0, ouais. 4. Ouais, entre 0 et 1. Ah ouais. Ça va être chaud. Donc je vous rappelle, les gars, l'objectif est de faire 1 kill. Juste 1. Okay. Si vous faites 1 kill, vous avez le droit de choisir un des cartons. Sauf que là, vous doutez bien, vous aimeriez bien commencer en premier. Donc du coup, ils vont être tirés au sort pour savoir qui va commencer en premier. Et du coup, qui va choisir une des boîtes. Donc le premier, c'est... on va faire un petit... vous connaissez le jeu main noire, main blanche? Ouais. Donc, bah, c'est parti. Main noire, main blanche. Ah, ok, on est sur 4. Ah non, 4. 4, 4. Donc du coup... On est 4 contre 2. Vous devez déjà, vous êtes les deux derniers déjà. Main noire, main blanche. 2-2-2. Main noire, main blanche. 2-2. Main noire, main blanche. Voilà. Oh, déjà toi c'est fini. Ok. Main noire, main blanche. Ça c'est fini. En combien de coups le pierre-feuille ciseau? Allez, pierre-feuille ciseau. Combien de coups? Un coup. Pierre-feuille ciseau. Oh, c'est lui qui commence en premier du coup. Le premier qui va jouer. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Main noire, main blanche et pierre-feuille ciseau, les ont départagés. Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite sur Fortnite. Go, 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 Charlie. C'est parti, on est avec le premier participant. Il décide d'aller à Tilted, les gars. Donc, un kill. T'as juste à faire un kill et t'auras le droit d'ouvrir une boîte. Si tu fais pas de kill, bah malheureusement, t'ouvres pas de boîte. Ok, donc déjà, il y a du monde à Tilted. Pourquoi Tilted? Bah, au moins, je suis retrouvé des gens. Ok, donc t'as 2 minutes. Oh! Attention! Oh! 42 PV, attention à ce qu'il va le faire. Peut-être le joueur français. Vas-y, vas-y! Oh, le shoot! Mon dieu, les gars, mon dieu! Joue avec la manette, toi! Joue avec la manette, hein! Il est catastrophique, hein, je vous le dis direct. Oh! Bien joué! Il a fait un kill, bien joué à toi! Bon, déjà, t'as fait un kill, donc t'ouvres ta boîte. Donc, ça, c'est plutôt tranquille. Ah, il y en a un là. Et c'est fini, malheureusement. Mais tu as fait un kill, donc en moins de 2 minutes, donc tu vas ouvrir la boîte. C'est parti, on se retrouve pour le deuxième participant. Bon, c'est parti, deuxième participant qui saute à Tilted aussi. Ouh, ah oui, t'as pas peur toi, t'as pas peur. Tu dois faire un kill. S'il fait pas de kill, je rappelle que, en gros, bah, il aura les boîtes qu'il aura pas choisi, quoi. Il aura une boîte sur laquelle il l'aura pas choisi. Parce qu'il faut qu'il fasse un kill pour que ce soit validé. Ah, il y a un gars là, je crois, non? Ok, il est là, je l'ai vu. Attention, il est rentré dans le bâtiment. Il est monté là, il est monté. Et malheureusement, il s'est fait tuer. Donc du coup, tu n'auras pas le choix. Tu choisiras la boîte en dernier, vraiment dernier. À part si d'autres ne font pas de kill. Dans ce cas-là, là, ça vaut autre chose. Ok. Ok, donc attention, on est avec le troisième participant. Déjà, le troisième participant, tu recules là-bas au pire. Il recule tout. Avance-toi, n'aie pas peur. Le gars, il est parti à l'autre bout de la terre. Ok, il y a un gars là, fais gaffe. Ouais, il y a des gens partout, ouais. C'est chaud. Je sais pas, là, il y a des armes, je crois, non? Là, dans le petit truc là. Ouais, il y a une arme là, il y a un pont. Vas-y, vite, 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 descend. Ok, un kill. Juste un. Je te demande de faire un kill. Si tu fais pas de kill, bon bah tu passes dernier, hein, sur le choix des boîtes, hein, malheureusement. Là, là. Oh. 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 Le shoot.
Le shoot est incroyable. Deux noobs qui s'affrontent. Oh, bien joué. Magnifique, franchement. Je pensais que t'allais mourir, il a 4 PV les gars. Mais tu me prends pour quoi? Bien joué, franchement bien joué à toi. Du coup, tu ouvres la boîte en deuxième. Ok, donc on est avec le quatrième du coup. Fais attention à toi, il y a un gars juste dans la maison à côté. Il y a des gens dans toutes ces maisons. Ok, bon, on va vite. Allez, plus vite. Ah ouais, t'as qu'un pistolet, ça craint. Regarde si t'as un truc. Allez, c'est fini. Malheureusement, il s'est fait tuer dès le début, mais c'est-à-dire que là, t'as pas fait long feu. Un petit mot quand même pour ta défaite. Ouais, bah, je suis gros noob, quoi. Tu joues pas trop à Fortnite, toi, non? Non, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Tu joues quoi comme jeu? De quoi? Tu joues à quel jeu, plutôt? C'est plus FIFA? FIFA, ouais, BO4, ça se voit que c'est passe ballon croix. Ok, bah écoute, du coup, tu passes en dernier avec tes derniers qui ont pas fait de kill. Et on verra après, pour encore un petit perfet ciseau pour voir qui se passera en dernier. Ok, donc on est avec le cinquième participant, du coup, qui va sauter, ou tu sautes, ou tu t'aides toi aussi, tu t'aides. Il y en a qui sont pas sautés à t'aide, il y en a qui ont sauté à t'aide. Bon, à tes risques et périls, tu t'aides, c'est très risqué. Et écoute, faut que tu fasses un kill. Si tu fais un kill, t'es troisième, sachant que les autres, ils ont fait 0 kill, du coup, ils finissent dans les derniers. Donc là, si toi, tu fais un kill, tu seras troisième, et tu seras le troisième à ouvrir une boîte. Oh, attention! Oh, vas-y. On n'a que des noobs. Aujourd'hui, nous avons recruté que des noobs. Je sais qu'il y a des gens de Fortnite qui disent « Ouais, moi, je serais là, j'aurais des gommes tout. » Mais bon, ils sont pas trop chauds à Fortnite. Donc, c'est parti. Waouh, il y a du monde! À mon avis, de vous. Ok, il y a un gars ici, fais gaffe. Vente, voilà, ici, vas-y. Il y a un coffre, je crois, ici. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il y a un coffre. Non, il n'y a rien. T'as pas de chance. Descends ici, vas-y. Je te conseille d'aller vers. Je sais pas, je te donne pas de conseil. Wow. Ah ouais, mais c'est. Oh l'enfoiré. C'est fini. Oh merde. On a zéro gameplay, c'est-à-dire qu'on a fait participer tout le monde. On a personne qui a fait des kills. On a un qui a fait un kill. Deux qui ont fait un kill. Bon, c'est vrai, bon. Il n'y a pas trop de gameplay. On va du coup se retrouver pour le plus fun. Donc le plus fun, pour ceux qui se souviennent, c'est toi qui avais participé à la dernière vidéo. Ouais. Et t'étais du coup arrivé deuxième. J'ai encore perdu. Ouais. Voilà, et là il a encore perdu. Malheureusement. Bon, on va voir si tu tombes sur une bonne boîte. Hein. Après ouais, c'est la chance. On va voir. Ok, donc on se retrouve tout de suite pour l'ouverture des boîtes. Ok, c'est parti, on se retrouve pour le plus fun, l'ouverture des boîtes. Est-ce qu'il va tomber sur un cadeau de merde ou un gros cadeau? Sachant qu'on est de la PS4 jusqu'à des petits lots. Voilà, vous verrez les lots. Surprise, on va pas vous spoil. Du coup, tu choisis quelle boîte? Les boîtes sont numérotées de 1 à 8. C'est ça, donc de 1 à 8. Ouais, c'est ça, de 1 à 8. Bah, je vais choisir celle-là. Celle-là? Ouais. Donc celle-là, c'est la numéro 6. Ok, la numéro 6. Pourquoi celle-ci? Je sais pas. Elle m'inspire bien. Elle t'inspire confiance? Ouais. Ok, la numéro 6. Et bah écoute, je te laisse découvrir. Oh! Je suis à l'alien. Et il part sur le clavier Alienware, donc du coup que vous retrouverez dans la boutique aussi Alienware. Comme je dis, la vidéo est sponsorisée par Alienware, donc on les remercie. Ils nous avons envoyé ce magnifique lot pour du coup bah pour toi. Magnifique. Franchement je l'ai chez moi et le clavier est pas mal. Tu vas voir, tu vas faire plus de kills parce que ouais. Il a fait un kill mais il fera plus de kills. Ouais. Ok, bah GG à toi. Bah, j'espère que t'es content. Bah bien sûr. Parce que la dernière fois il avait pas de lot. Ouais. Malheureusement il avait fait 0 kills sur Zula, il avait pas de lot. Du coup, là, tu repars avec un lot. Deuxième participant, attention. Quelle boîte choisis-tu? Le 8. Je te laisse ouvrir. Ah, attention. Viens, mon chose, viens, tu la ramènes, approche-toi du lot. Approche-toi. Code PS4. Console PS4. Console PS4. Il a de la chance. Merci. T'as de la chance. Franchement, t'as de la chance. En plus, je me suis dit, je vais le mettre en dernier. Je vais mettre la boîte numéro 8, la console PS4. Il a choisi la 8. Bah, c'est normal, c'est mon chiffre porte-bonheur habituellement. Ok, bah tu repars avec le carton. En fait, on rigole, hein, c'était le carton que tu gagnes. Ah ouais, bah, merci. Le troisième participant, qui est le troisième participant qui est fan de l'OM? Oui. On n'est pas des amis, nous deux. Allez, l'OM. Alors, tu choisis quelle boîte?
2. La 2? La 2 elle est là. C'est celle-là. Ok. La boîte numéro 2, bah, je te laisse caméraman, si tu peux montrer. Attention. Ah ah. Oh, oh. Il repart avec, bah bien montré, un chèque cadeau de 60 euros dans le magasin. Donc on va voir ce que tu choisis après. On va voir si tu veux le garder pour quelqu'un. Non, non. Oui, tu vas choisir, ok. Donc un chèque cadeau. Donc je rappelle que le magasin il est à Saint-Nicolas-de-Port. Voilà, un petit shop for geek, donc chèque cadeau. Tu auras le choix entre des goodies ou des jeux. Voilà, 60 euros, ça me fait plaisir. Toi, ouais. Toi je te sens chaud. Ouais. Je te sens chaud, je sais pas pourquoi. Tu pars sur quoi? Boîte numéro 4. La boîte numéro 4, celle-ci. La boîte numéro 4. Au calme, au calme. Eh bien, tu peux monter. Bravo. Il repart avec un million. Ils sont faits. J'espère que t'es content quand même. Bon, comme on dit, l'important c'est de participer. Ok, bah merci à toi. C'est à toi. Donc lui, je rappelle, pour ceux qui l'ont vu dans la vidéo, il est arrivé deuxième. Il m'a fait de la peine, j'ai dit bon, ok, je vais l'inviter dans cette vidéo. Parce que voilà, il n'y avait pas de l'eau, ça me faisait de la peine. Donc du coup, qu'est-ce que tu choisis? Bah, vu que je suis un enfant, je préfère les gros. Ok, il choisit la grosse boîte, les gars. Je demande à tout le monde de s'approcher, parce que je sais ce qu'il y a dedans. Attention, la grosse boîte. Elle fait rien. Pourquoi la grosse? Je sais pas. Ok, je te laisse écouter. Elle m'inspire confiance. Hey, une pile. Là, il y a encore un truc, Il y en a deux joueurs. Ah, deux piles. Non, j'ai vu un Pikachu. Un pile. Ça va pas mal. Accroche-le, on va ici. Voilà. Il est parti pour aller à l'école, c'est parti. Il reste le plus grand, mais t'as trois boîtes. Je prends les trois. Je te dis, dans ces trois boîtes, les autres cadeaux seront distribués au bas-bas. Je les ferai gagner sur Instagram. Il reste trois boîtes. Du coup, dans ces trois boîtes, t'as un Pac-Man en peluche, ouais. T'as un Harry Potter, et l'autre truc, je sais plus c'est quoi, un truc nul. Je crois que c'est un truc nul. Ah, ah ouais, je sais quoi. Je sais ce que c'est, je me rappelle, c'est bon. Vas-y, je te laisse choisir. Vas-y, on va dire Cristiano, le 7. Le 7, vas-y, je te laisse. Oh my god, il a pas de chance. Il a pas de chance. Il a honte de montrer le cadeau. Caprisonne, mémo. Non mais je vous jure les gars, il y a trois fois qu'il tombe sur la mauvaise, quoi. Le gars a pas de chance. Oh la vache. Caprisonne, il est encore frère. Ouais, c'est quoi? Pour la vidéo, j'ouvre tout de suite. Hein. On va le savourer. Le pauvre. Il est sûr qu'il n'y a pas de pro, du coup je vais montrer. Vas-y, je te laisse savourer. Viens montrer, je vais montrer, il y a quoi? Donc il y avait un goodies, du coup qu'on trouve dans le magasin. Un goodies Harry Potter qu'on trouve, il y avait ça. Donc voilà, petit Harry Potter. Pour ceux qui sont fans d'Harry Potter, on a des goodies Harry Potter ici. Ensuite, on a la petite peluche Pac-Man. Qui est vraiment magnifique, franchement. Bon, malheureusement, ça sera pour les babans. Donc du coup, je ferai gagner sur Instagram ces deux petits cadeaux qui restent. Et je sélectionnerai du coup les gagnants. Donc voilà, voilà. En tout cas, je remercie encore une fois Alléluia d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et puis, mais les gars, j'espère que ça vous a plu quand même. Ouais, ça vous a ouais, plu. Ouais, ouais. Bon, bah, il y en a qui ont eu des gros loups, il y en a qui ont eu des dos de mer. Malheureusement, c'est comme ça, c'est la vie. Il voit son Capricène. Ok. Et bien, les gars, un maximum de likes. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Ciao.